Yo les crozes! Yo tout le monde! Mais le live est fait pour faire oublier la rentrée justement les crozes. Ok. Bon bah on va continuer donc ce soir les crozes Evil Within. Le DLC. The Consequence qu'on avait commencé il y a environ 2 semaines. On va continuer tranquillement. Ça va être un live d'environ 2 heures, hein, je pense. Toshiba, mon surnom. Non, mais c'est dépassé, ça. Ça, on me disait Toshiba au tout début de YouTube, quand je commençais. Non, mais c'est dépassé, ça. C'est dépassé. Du coup, bah, c'est parti. Moi je dis zéro mort. Hein. 2 heures zéro mort, il y a moyen. Ok. Allons-y. Chapitre 4, un fantôme est né. Un fantôme est né. Ok, très bien. Bon, alors attendez. Donc où est-ce qu'on en était déjà? On avait pris le bus avec Castellanos et Joseph. Et on se retrouve donc ici. Très bien. Moi ça me va. J'ai hâte au second volet. Bah t'es pas le seul. Hein. Putain, les crozes Evil Within 2. Je l'attends mais avec une impatience. Personne ne m'enfermera. Personne. C'est quoi ça? Je pourrais peut-être le faire brûler. Burn! Je suis en train de le brûler là. Ah ouais. Très bien, on vient de brûler donc Ruvik. Commence bien ce live. Toshi, mon chien est intrigué par ta vidéo. Ah, après les chats c'est les chiens. C'est marrant ça. Oh là. Leslie! C'est vraiment parce que pendant le jeu de base, pendant tout le jeu, on essaie de trouver Leslie, on la suit, on essaie de la choper. Enfin, de le choper, pardon. C'est vrai que Leslie est un mec. Et dans les DLC, c'est pareil, ça va pas changer. Oh! Non, c'est trop loin. Ah, attends. Je crois qu'il y a un autre moyen de descendre. Je te rejoins plus bas. Oh les gars, je suis là! Au moins ils sont vivants. Je vous en prie. Ne vous mettez pas en travers de mon chemin. Leslie fragile. Exactement. Oh là, putain, j'entends du zombie là. J'entends du zombie là! Pas trop ça moi. Alors. Est-ce que j'ai un flingue? Je me souviens. Ah non, c'est vrai, le flingue, on le perd au début, là. D'accord. Donc j'ai juste une malampe torche, encore une fois. Pas beaucoup d'armes. La lumière qui s'éteint, fais gaffe. J'espère que le live est fluide, les crozes. Ah, Leslie est là. Qu'est-ce que... Leslie, tu bugs? Leslie? T'arrives pas à monter ces escaliers? Ce n'est pas grand chose, mais c'est pour te souhaiter bon courage et te remercier pour le jeu que tu offres. Oh, merci Kaichou! Merci Kaichou, merci beaucoup, ça fait plaisir. Bon, Leslie n'arrive donc pas à monter les foutues marches. C'est une première. Ok. C'est peut-être normal, je sais pas. Je vais prendre un screen, ça va être marrant à poster sur Twitter. C'est toujours sur moi que ça tombe, ce genre de bug. Vous voyez? Il n'y a que dans mes lives que vous verrez des trucs comme ça, les crozes.
Ok, bon. Leslie est buggée. On continue, c'est pas grave. Ah, bah tout d'un coup il se retrouve là, il se téléporte. Il se téléporte. Yo Link, salut Riku. Rubik essaye de s'emparer de lui. Je peux peut-être l'arrêter. Ok. Alors. Ok, il y a un zombie ici, on fait gaffe. Est-ce que je peux sauter là-dessus? Non. Ok. Toshi attire les bugs chelous, bah ouais. C'est tout moi ça. Oh merde. On va y aller lentement. Merde. Ok, on fonce. On fonce. Il est mon hôte. C'est moi. Non. Non, 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 non. T'as le père. Il me faut une hache. Allez, tire-toi, toi. Bienvenue Clash Ebola. Je me concentre les crozins, attendez, parce que là. Maintenant. Oh, vite, 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 vite. Yes. Cours. Peut-être arrêter Rubik. Yes. Et alors... Yes. 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 Easy. Easy. Next. Oh là. Oh là. Oh là. C'est les aveugles ça. Je crois que c'est les aveugles. Ils peuvent pas m'entendre. Enfin me voir plutôt. Ils peuvent pas me voir. On y va lentement. Putain, il faut que je déplace ça, mais ils vont m'entendre si je le fais. Et ouais, forcément. 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 Oh non, il me faut une... Oh non, il me faut un code. Eh, bienvenue Mercedes, gars. Mercedes, gars. Bienvenue, bienvenue. Oh putain, il me faut une carte, tu déconnes, là. Oh non, les gars! Oh putain, il me faut une carte. Oh là 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 là! Ah là peut-être, attendez. Je peux pas y aller là, non? Ok, ah ici, 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 ici. Ça doit être là. Oh putain la vache. Ok, bouteille. La bouteille est très importante dans ce DLC. C'est notre seule arme. Ok, la carte est là. Nickel. On va la prendre. On va faire gaffe. On a la carte. Ok. Maintenant retour à la case départ. Oh la vache. Putain de sa mère, ils sont combien là? Oh! Merde, putain! Mais barrez-vous! Bienvenue Turbo Gamer! Oh putain, c'est... La famille est réunie là! Ok, bon. Nice. Alors ici, on fait très attention. On fait pas les boulets. Hein. On a le temps. On n'est pas pressé. Toi, retourne pas. Ok, super, il saute.
On sait même pas s'ils se retournent ou pas, ils sont tellement démembrés. Tu sais même pas. Tu sais même pas dans quelle direction ils vont, quoi. Ok, là on est bon. On est bon, les Crows. Yes. Yes. Toshi Poivreau, la bouteille est très importante. Boire ou jouer, faut choisir. En parlant de boire, j'ai soif. Nickel. On est plutôt pas mal là pour le moment. Qu'est-ce qu'elle est belle. Alors, ok. Putain, je suis en train de regarder des ascenseurs ici. Ça me fait penser à une histoire là que j'ai vue il y a pas longtemps. Sur Lisa. Non, Elisa. Elisa Lam. Je sais pas si vous connaissez les choses. L'affaire Elisa Lam. Ah, Leslie est là. Si vous connaissez pas, ben. Allez sur YouTube ou sur Google. Vous allez halluciner. C'est what the fuck. Ça fait vraiment peur, quoi. J'avais oublié qu'on pouvait péter des caisses dans ce jeu. Merde. Oh la référence. On va recastellianos arriver. Hein. C'était quoi ça? Mais non, en fait c'est nous qui débloquons Castellanos dans le jeu. Et c'est un truc de malade. Hein. Comment ce DLC et le jeu sont liés, c'est un truc de fou. J'adore. Regardez, putain, on est au parc. C'est là où on va tirer sur Joseph. On va tuer Joseph. Leslie peut rentrer. Rentrer à la maison avec le train. Non, Leslie. Pas tout de suite. Tu me protégeras? Oui. C'est mon job. Bien, bien, bien. Quand je rentrerai, ils seront surpris. Tu n'y es pour rien. Désolé. Arrêtez. Vous faites une grave erreur. Vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas ce qu'il va devenir. Nous savons ce qu'il va devenir. C'est pour ça que nous le voulons. Vous ne comprenez pas ce que veut Ruvik. Ruvik est un cadavre. C'est Leslie qu'il veut. Mais nous aussi. Et vous le craignez plus que nous. Ce n'est pas une plaisanterie. J'ai une mission. Il ne doit pas s'emparer de lui. Leslie est le seul qui peut. Fais pas ça. Ok, très bien. Wow. Direction les enfers. Mais avant, on va faire une petite caresse au chat. Pas trop mal pour le moment. Oh putain, nous voilà à l'entrée de l'hôpital. C'est quoi ce bordel? Nous voilà à l'entrée de l'hôpital. Wow. Quelle puissance! Une puissance bénie des dieux. C'est trop tard. Oh non, pas encore. Il faut que je l'arrête. Oh non, non, non. Mais non!
Mais non, est-ce que j'ai une hache? Ah mais j'ai un flingue, mais j'ai pas de balle. Merde. Ah merde. On n'a pas besoin de flingue, nous les crozes. Ouais, j'ai toujours ma hache. Est-ce qu'on tente de l'exploser? Oh putain, Romy! Ah, oh, juste un petit coucou à mon youtubeur préféré et aussi Bou. Bou! Hey hey! Merci Romy! Merci beaucoup pour ton don! Tu m'as fait peur. Hein. Merci en tout cas, merci beaucoup. Maintenant, on se concentre. Oh, putain. Y'a personne, y'a personne. T'as rien vu. T'as rien vu, mon pote. Putain, c'est chaud. Y'a une hache là. Lui, je vais essayer de le défoncer à la hache. Oh putain, y'a une bouteille. Oh, y'a une bouteille, je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. La bouteille va me sauver la vie. Oh non, 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 viens pas par là, viens pas par là, viens pas par là, viens pas par là. Oh non, 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 non. Venez pas, les gars. C'est bien. Oh, c'est parfait. Eh, c'est hardcore là ce que je suis en train de faire. J'utilise aucune hache, je vais essayer de passer direct. Salut toi. Ça, vous voyez, c'est quelqu'un qui a essayé, mais qui s'appelle Patoshi. Voilà comment il finit. Bon, faut que lui dégage et c'est bon. Hein. Maintenant. Yes! Je vous l'avais dit. Répondez à nos questions. De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui vous hante à ce point? Quel est ce besoin que nous sommes les seuls à pouvoir satisfaire? Fermez-la et dégagez! Oh, elle est pas contente, hein? Putain. Très bien. Donc là, je vous explique un peu le contexte. Oh putain, ça a changé. Ça a changé. Donc là, c'était là où, en fait, Castellanos, dans le jeu, bah, se faisait piquer par Ruvik au tout début. Et là, donc, l'environnement vient de changer. Nous revoilà, je sais pas trop où. Dans une morgue. Ça fait penser à une morgue, un peu. Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Les patients meurent quand ils sont connectés à la machine ? Qu'est-ce que ça veut dire, Jiménez ? Après ce que vous lui avez fait. Enfin, ce n'est qu'une supposition. Mais c'est comme si la conscience de Ruben était prise au piège dans le STEM. Et il attaque tous ceux qui essaient d'y entrer. C'est inexcusable. Pour régler ce problème... C'est en train de parler de Ruvik, en fait, là. A fait tout ce travail pour rien. Ruvik. Il était dans le STEM depuis le début. Un sacré Ruvik. Et bien, il ne mourra pas. Toshi montre que tu assures à la hache. Bah, c'est pas que j'assure pas. C'est juste que le jeu ne veut pas que j'attaque à la hache. C'est différent. Ok, on prend cet ascenseur. On fait attention qu'il n'y ait pas le fantôme de Elisa Lam, du coup. Je suis en train de bader, moi. Dès que je vois un ascenseur, j'y passe. Qu'a-t-il de spécial? Il n'a pas toujours été comme ça. Il est devenu catatonique après un événement traumatisant dans son enfance. Sa famille a été tuée. Oh. Merde, j'ai pas eu le temps de voir la suite. Je sais pas si c'était normal. Boum!
On est. Vous avez des laboratoires, c'est vraiment bizarre. Je sais pas trop où je suis. Oh là 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 là. Ça me dit rien qui vaille là, putain. What the fuck? Non! Tu déconnes! Tu déconnes! C'est le début d'Evil Within? C'est là où on est? Castellana s'est pendu juste là, les crozes. Rappelez-vous avec le gros là. Là-bas t'as la porte, ouais c'est ça. Et là t'as le gros qui est en train de charcuter là. Je me souviens, j'ai même fait ça pour choper la clé. J'avais très bien joué. Et la clé était juste là, sur le crochet là. Excellent. Alors du coup est-ce qu'on peut aller... Oh putain on peut y aller. On peut aller dans la cachette secrète du gros méchant. Y'a rien de spécial. On sort la tronçonneuse. Non 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 non. Pas de... Gardez. C'est énorme. Sébastien est venu ici et il en a chié ici. Alors attendez, parce que là il y avait un piège. Attendez. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Les tronçonneuses sont là. J'ai vraiment hâte de voir. Ok, y a pas le piège. Y a pas le piège. C'est énorme. Oh putain, regardez-moi ça. Ici, la pédale. La pédale. Avec les... Oh 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 oh. Je cours. Là, c'était la trappe où on sait, bah, tout simplement, où on a plongé dedans pour survivre. Et donc là, on a jamais été à partir de là. C'est vraiment cool. LOL VTM et bienvenue aussi Jackie, je t'ai oublié mon Jackie, désolé, bienvenue à toi. Bon, une fois de plus l'environnement a totalement changé là. Touche plus à ta lampe Toshi, on veut savoir la suite. Bah ouais, je vais éviter d'y toucher. Oh, il est armé, lui. Oh, lui, c'est un méchant. Lui, c'est un méchant. On y va. J'ai toujours ma hache. Oh, putain. Est-ce qu'on va l'avoir à la hache? Yes! Oh non! What? Ouhouhouhou! Ça j'aime, ça c'est j'aime. Bon. J'en ai assez. On a un flingue! Oh merde, y'a pas de balles! Non mais donnez-nous des balles, les gars! Attendez! On a un pompe et on a un flingue, mais on a pas de balles. C'est quoi l'intérêt là? Ouh, des balles! J'ai rien dit! Ok, on y va. Ok, donc ça faut le péter. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Et j'ai pas intérêt à me foirer là. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de tirer au flingue? Ah merde, j'ai pas d'allumette. Nickel. Rends-toi ça dans la gueule, saloperie.
Une bouteille, je prends. Tiens, c'est au prix. Bienvenue, Kerop69. Putain, je m'éclate là, les causes. J'ai un flingue dans les mains, je m'éclate. Oh, tu déconnes. Oh, tu déconnes. Pas dans les conduits, s'il vous plaît. C'est vraiment bizarre comme, comme DLC. Hein. Ah, le fameux bain de sang. Le fameux bain de sang. Ah merde, y'a des zombies dedans. Wow, on court. Oh là là, mais putain de merde. Attendez. Ok, c'est bon. Ah non, mais je joue jamais à la manette, du coup là c'est un challenge pour moi. Bon, je retourne clavier souris. Wow. Putain. Eh mais c'est un peu mon setup en fait. Je crois que je me suis fait espionner là. J'ai le même setup. Je suis très déçu, Kid. Cette mission est simple, mais vous désobéissez. Heureusement pour nous, il y a toujours un plan B. Ce qu'on vous donne n'est pas toujours dans votre intérêt. L'infusion. Qu'est-ce que vous m'avez fait ? Nous devions savoir si l'un de nous pouvait survivre dans le système. Mais nous ne voulions pas risquer la vie de quelqu'un d'important. Votre rôle était de nous donner l'accès. Et me voilà. Mais tu sers à rien, non. En fait. C'est Ruvik. C'est lui qui fait tout ça. Vous vous êtes donné à nous. Vous avez fait ce choix de votre... Oh non, pas lui. Quand personne ne s'est soucié de vous, nous avons transformé votre misérable existence. Nous vous avons donné une raison de vivre. Et c'est comme ça que vous nous remerciez. En nous trahissant. Oui. J'arrive que maintenant. Salut Benito. Qu'on en finisse. Qu'on en finisse. Ça me rappelle quelque chose ici. On était aussi passé par là avec Castellanos. Ouais. Oh non. Non. Non les gars, non, non, non. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Maintenant. Yes. Woohoo. Je fais la la ronde du bonheur. De nous répondre. Est-ce par peur? Putain, j'aurais dû lui tirer dessus. La peur est une émotion si subtile. Mais c'est lorsque quelqu'un ressent une peur véritable
qu'on peut le contrôler. Oh putain, il a une voix. Qu'on peut le façonner. Le STEM est une horreur. Une machine conçue sur le simple principe de la peur. Mais en un sens, il est parfait pour réaliser notre objectif. Oh. Vous serez la première. Vous vous soumettrez à cette peur. Ou vous mourrez. Vous servirez d'exemple pour ce que nous allons devenir. Salut! Oh putain! Leslie, non! N'y va pas! Ok, donc voilà le STEM avec notre corps. C'est moi. Je suis connecté. Joseph! Comme tous les autres. Joseph, il fait dodo. Je dois sortir de là. Leslie. Le docteur. Et Castellanos. Et le flic. Très bien. Bon, on y va, les creuses. Voilà le cerveau de Ruvik. Boum! Fallait que je tire sur le cerveau. Sébastien, éloignez-vous de lui. Sébastien, écoutez-moi. Arrêtez. Vous avez les mêmes intérêts que nous. Ça va, j'ai bien compris. Vous n'êtes pas qu'une nouvelle recrue et lui n'est pas qu'un garçon ordinaire. Vous avez tué Joseph et tiré sur moi. Donc à ce stade, j'ai de très bonnes raisons de ne pas vous faire confiance. Vous êtes un type. Ah merde ! C'est pour ça que... ça n'a plus d'importance. Si vous avez tout compris, comme vous semblez le croire, vous savez pourquoi je ne peux pas le laisser vivre. Connerie ! C'est Ruvik. C'est lui qui a... Donc là, on a revu la fin du jeu, en fait. Vous avez échoué. Vous aviez une mission et vous avez échoué. Non. Vous n'êtes pas réel. Tout est faux. C'est ce que vous voulez croire, mais je suis bien là. Je vous suis depuis le début. Putain, on dirait le G-Man de Half-Life. C'est un cauchemar. Mais je n'ai plus peur de vous désormais. C'est bien la preuve que vous ne comprenez rien. Vous devriez avoir peur. On vous tient quitte. Et vous savez ce qui arrive quand on échoue. Ok, ça sent le boss. Vous ne pouvez pas vous échapper. Ça sent le boss. Ah ouais, ça sent le boss. Vous avez rempli votre rôle insignifiant. Ce monde est une prison que vous ne quitterez jamais. Allez vous faire foutre! Ça a assez duré, je vais en finir ici. Oh putain. Ok. Ok, vous êtes beaucoup les gars. J'ai bientôt plus de balles, hein. Faites pas les cons.
Alors attendez. Ok. Oh ah c'est sûr, je vais devoir switcher avec la manette. Je vais devoir switcher avec la manette. Ok, nickel. Oh non. Oh. J'ai survécu. J'ai survécu. Merde. Ok, celui en rouge, c'est celui que je dois tuer. Mais non. Non. Je dois tuer celui en rouge, les creuses. Hop, oh, putain. Hop, oh, putain. Tiens, bâtard. Il me faut des balles. Dites-moi, Kid, que voyez-vous? Oh putain, on peut viser avec l'arme, c'est énorme. On peut viser avec l'arme, c'est bon. Nickel. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. Hop, 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 hop. Yes. C'est pas fini. Non. What the fuck? De progrès sans sacrifice. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça? Ah! C'est quoi ça? Ça va vite. Ça va très vite. Dégage, c'est le prix. Votre mort. J'ai plus de balles. Quelque chose après tout. J'ai plus de balles, j'ai plus de balles. Non, 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 sois pas épuisé. Tu vas mourir, Kid. Des balles. Vite. Ok. Je gère. J'ai la situation bien en main. Merde. Il ne peut pas y avoir de progrès. Allez, venez, venez, venez. Et de une. Et de deux. Ok. Prends des balles. On prend des balles et on y va. C'est entre toi et moi, démon. Vous ne verrez jamais ce que nous avons accompli. Oh là. What? Ah d'accord, faut que je me cache derrière les... D'accord. Ok. Bien. Merde! Mais non! Oh putain, je joue mal! Vous pensez pouvoir fuir, mais vous nous appartenez! What the fuck? Oh la 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 la! Oh my god, quoi! Je gère. Je gère. Wouhouhou. Yes.
Oh putain, je crois qu'on l'a eu. Énorme. Meilleur que le boss de du jeu de base, je trouve. Oh putain, on a un flingue, ça y est. On va le finir. Enfoiré. Tu l'as mérité. Une balle dans le fion. Pas dans le tien, t'inquiète pas. Allez, c'est fini. 360 noscope trickshot, ma gueule. C'est la fin pour toi, mon petit Géman. Mais est-ce le cas? Vous ne savez rien. Je suis avec vous. Je serai toujours avec vous. Ah, on voit sa tête. Je suis plus forte que vous le croyez. On dirait vraiment le Géman. Hein. Ah, est-ce que vous avez confiance en vous? Du moins suffisamment pour assumer la responsabilité de vos actes. Ah, je crois que le doc y a trépassé. Ok, on est à la fin du jeu. On est à la fin du jeu. Nous y sommes. Agent Kidman, on s'occupe de lui. Vivement le 2, putain, vivement le 2. 37 minutes depuis la première pulsation. Comment on est arrivé là? Qu'est-ce que vous voulez dire? Donnez-moi une minute, j'ai besoin d'y voir clair. Mira, on a besoin de vous ici. D'accord, mais apparemment, il veut un débriefing dès que vous serez de retour. C'est qui elle? Mira. Mira Mirabelle. Ouais, c'est la fin du jeu. Cassianos va se réveiller. J'ai échoué. C'était sans compter sur vous. Je vous revaudrai ça. Bienvenue dans le monde réel, Sébastien. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Laissez-le. Cela aussi. Ils n'iront nulle part. Vous non plus. Ok. Bon, bah écoutez, Kroos, on vient de finir ce DLC absolument magnifique. Ok. Bah écoutez, Kroos, donc fin de ce DLC, c'était très sympathique, mais je pensais qu'il allait être beaucoup plus long. On l'a fini en 2h30 environ. Et ouais, je trouve qu'il est meilleur que le premier. Le premier, c'était abstinence, là, je sais plus ce que c'était, un truc comme ça. J'ai vraiment bien aimé, mais celui-là, vraiment, il sort du lot. Bref, les Kroos, bah merci de m'avoir suivi ce soir, du coup, bah on s'arrête là. Rediffusion. De ce live demain sur YouTube. Je vous souhaite une bonne nuit, les Kroos. Passez un très bon week-end. Merci aux petits dons. Merci aux petits dons. Merci aux nouveaux follow. Bienvenue à vous tous. Et je vous dis à très vite. Des bisous, les Kroos.